Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un unboxing, un déballage d'écouteurs IPX5 de la marque Soundpeat. Et franchement, ces écouteurs coûtent une trentaine d'euros. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description, vous pouvez les trouver sur Amazon. Et ces écouteurs Soundpeat sont vraiment d'excellente qualité. Alors, au sujet du concours de l'enceinte waterproof qui était à gagner, où vous pouvez écouter la musique sous la douche, c'est donc Urmila Balivet, donc l'abonné qui a été tiré au sort. J'ai pris contact avec cet abonné et donc il m'a transmis ses coordonnées postales et je vais donc lui envoyer l'enceinte connectée. Il a gagné cette enceinte connectée très sympathique. Vous désirez gagner des enceintes connectées, des haut-parleurs, des casques, etc. Abonnez-vous à la chaîne Vision Hightech. Déjà, un, ça fait toujours plaisir. Deux, ça encourage. Et trois, vous pouvez gagner des petits lots très sympathiques de temps en temps. Aujourd'hui, je vous présente donc les Soundpeat IPX5 de couleur blanche. Vous allez voir, ils sont très sympas. Pour 30 euros, franchement, je vous les conseille. Ce sont deux petits écouteurs pour les gens, par exemple, qui font de la marche, qui font du sport, qui veulent gérer leur smartphone. Ces écouteurs sont tactiles. Enfin, vous allez voir dans la suite de cette vidéo. Je pense recevoir donc une deuxième paire très bientôt de la société Soundpeat. On va en faire l'unboxing et on va tout de suite passer à la petite intro. C'est parti. Voilà, donc on va parler des écouteurs Bluetooth V5, donc 5.0 TrueDot de la société Soundpeat. Alors, c'est une boîte carrée avec un petit encart bleu où vous avez donc marqué le nom Soundpeat, les caractéristiques diverses de ces écouteurs sans fil. Ce sont donc des écouteurs sans fil, 16 heures d'autonomie, des écouteurs intra-auriculaires. Alors, je sais que certaines personnes n'aiment pas forcément les systèmes intra-auriculaires, mais vraiment, ils sont très sympathiques. Alors, ils sont dans un boîtier. Ici, vous pouvez les avoir de couleur blanche ou de couleur noire. Donc, j'ai choisi la couleur blanche. À l'arrière, on a donc la petite connectique pour recharger notre petit boîtier. Lorsqu'on ouvre, alors, il y a un petit clapet qui permet de protéger et d'éviter de tomber les écouteurs, et ces écouteurs sont IPX5, donc pas de problème, vous pouvez aller sous la pluie, les éclaboussures, vous pouvez courir sous la pluie, il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau de ces écouteurs, c'est qu'ils sont tactiles. Donc voici ici les écouteurs, je vous les mets en très gros sur votre écran. Alors ils sont très sympathiques. Alors vous avez différents embouts livrés avec dans la boîte, on va tout de suite d'ailleurs finir l'unboxing ensemble. Alors, un peu à la manière des AirPods, lorsqu'on met les écouteurs dans le boîtier, ils sont aimantés, donc ils sont aspirés seuls et automatiquement, ils se rechargent tout seuls. Si les batteries ne sont pas assez chargées, le boîtier se charge de les recharger tout seul. On continue le déballage de cette boîte. On a donc le câble micro USB vers USB et on a donc d'autres petits embouts au cas où, si celles qui sont déjà mises au préalable ne vous vont pas au niveau de la taille, vous avez d'autres petits embouts prévus pour ça. Voilà donc tout ce qu'on va trouver dans le package de cette boîte, dans le packaging de cette boîte. Ces oreillettes sont Bluetooth 5.0 et vont être compatibles Android, iOS et n'importe quel système d'exploitation Microsoft ou Mac. Pour l'appairage, ça sera un appairage classique. Vous allez donc dans préférences, dans les réglages Bluetooth et vous allez vérifier que ces appareils sont bien détectés. Une fois qu'ils ont été détectés, leur surface tactile va vous permettre donc de faire de la téléphonie, d'écouter votre musique, de déclencher vos assistants vocaux tels que Siri, tels que Alexa, tels que Google Assistant. Alors dessus, vous allez trouver donc un système anti-bruit. On n'est pas sur de l'ANC. Alors en fait, avec les deux écouteurs, vous allez pouvoir donc avoir une écoute de 4 heures et grâce au boîtier, vous allez donc multiplier cette charge par 4, donc 4 x 4, vous allez avoir 16 heures d'autonomie grâce au boîtier. Vous allez donc pouvoir utiliser donc le casque en stéréo ou en mono. Mais attention, lorsque vous allez vouloir utiliser
l'une des deux oreillettes en mono, il vous faudra vous servir de l'oreillette droite. Voilà donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces Soundpeed ? Montre de très près sur votre écran. Lorsqu'on les porte, les deux écouteurs sont très discrets puisqu'ils sont rentrés dans les oreilles. Et ce qui fait un peu l'annulation du bruit, c'est en fait l'intra-auriculaire, les embouts qui, lorsque vous les avez enfoncés dans les oreilles, permettent d'éloigner un peu plus le bruit. La surface tactile est très accessible, ce sont vraiment des petits écouteurs très accessibles qui permettent de gérer en fait un smartphone, une tablette sans aucun souci. Le boîtier est très discret, il rentre dans une main et on peut le porter aisément sans problème. Alors mon avis, question aiguë et question médium, on est plutôt pas trop mal. Après donc, si vous êtes des personnes qui cherchez vraiment à avoir de bonnes basses dans les oreilles, c'est vraiment pas ce genre deux petits écouteurs qu'il vous faudra, puisque là on est sur un système classique hein, avec 30 euros, on va pas rêver, on va avoir quand même quelque chose de sympathique mais pas extraordinaire comme avec du Bose ou du JBL, suivant ce que vous recherchez. Donc voilà, c'est quand même pour le prix de très bons écouteurs qui permettent d'avoir un bon rendu sonore au niveau téléphonique et musique, voire film si vous écoutez des films, GPS et éventuellement livre audio. Voilà donc pour ce petit unboxing, ce petit déballage de ces Soundpeed. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et petite surprise en fin de vidéo, voilà donc ces écouteurs, dans à peu près 3 semaines, appartiendront à un des abonnés, puisque je vous les mets en concours. Grande surprise, dans cette vidéo, je vais vous mettre en concours ces Soundpeed, cette paire d'écouteurs sans fil, Bluetooth 5.0, compatible tout système. Donc si vous désirez gagner ces écouteurs Soundpeed, il faudra donc commenter la vidéo, il faudra liker la vidéo et il faudra être abonné à la chaîne Vision Hightech. Attention, j'ai les moyens de voir si vous êtes abonné ou pas et donc j'irai voir si vous faites partie des abonnés Vision Hightech. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur ces Soundpeed. Je vous dis donc à très bientôt, abonnez-vous, il va y avoir très prochainement du lourd sur Vision Hightech et on se dit à très vite, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je voulais vous dire, si vous voulez me suivre sur TikTok, j'ai maintenant plus de 10 000 abonnés, on arrive aux 11 000, rejoignez Vision Hightech sur TikTok, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, partagez cette vidéo et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.